partons à la découverte d'un bijou gothique du XIIIe siècle. Adossé à un flanc de la colline, proche de la ville, et pourtant dans un écrin de verdure et de calme, voici que se dévoile la chapelle Sainte-Croix. Bienvenue à vous. Donc ici, c'est la chapelle Sainte-Croix à Fort Bac, dans cette hauteur de la colline où se vit la prière, la méditation, l'accueil et l'ouverture au monde, si je peux le dire comme ça. Parce que nous sommes venus de l'Afrique et il y a plusieurs personnes, les Français, les Allemands, il y a plein d'ethnies et différentes religions qui viennent ici. Donc soyez les bienvenus. Et sentez-vous chez vous dans la maison de Dieu. Entrons dans ce lieu de recueillement façonné au cours des époques qui nous invite à un voyage dans le temps. Ici, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui se vivent. Au cours de la semaine, et il y a beaucoup de personnes qui viennent ici pour la prière. Comme c'est la chapelle, c'est la résidence de Dieu, si je peux le dire. Donc, ils viennent, ils déposent leur fardeau, action de grâce, remerciement. Et aussi, il y a l'écoute aussi qui se vit. Découvrez la colonne centrale divisant la voûte de la nef en quatre croisées d'ogives. Parmi les statues qui s'y trouvent, on peut distinguer Marie, jeune fille, avec sa mère, Sainte Anne. Et de l'autre côté, on peut voir la Pietà. N'hésitez pas à vous y rendre pour partir à la rencontre de l'histoire. Il y a ce que nous appelons les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Il y en a qui passent, soit pour demander le cheminement, soit pour le tampon. Donc, on essaie de leur rendre ce service-là aussi. Ancienne maison forte qui a ensuite abrité un ermitage, la chapelle Sainte-Croix est aujourd'hui un lieu de paix et de prière. Par la présence des sœurs, la chapelle est un lieu privilégié de rencontres interreligieuses et ce qui s'y vit en fait un haut lieu spirituel. Et une fois par mois, nous avons la prière interreligieuse. On essaie de prier ensemble, échanger. On prend un thème et chacun, selon sa religion, développe le thème. Et arrivé, on met le tout ensemble et on essaie d'écouter et on prie avec. Donc pour dire qu'il y a vraiment une variété de choses que nous vivons là et qui rentrent nous aussi dans notre prière. Donc tous les jours, nous sommes en prière, en communion avec tous ceux qui passent ici. Il y en a qui nous confient leurs intentions. Nous essayons de prier avec. Nous essayons de rendre service de cette façon-là.